Villeurbanne a enregistré une étrange série de feux de voitures ce week-end dans la nuit de samedi à dimanche. Ce ne sont pas moins d'une quinzaine de véhicules qui ont été incendiés dans différents quartiers de la ville. Sept voitures ont été brûlées avenue Francis de Pressensé et huit autres dans le quartier des Brosses. Un incendie volontaire qui a d'ailleurs contraint les pompiers à évacuer 17 personnes au total. Le sinistre menaçait en effet de se propager en raison de la présence toute proche d'une arrivée de gaz. Les dangers, c'est essentiellement la propagation éventuelle au bâtiment contigu, puisqu'une fuite de gaz enflammé ne peut pas être éteinte, puisque sinon on aurait une fuite de gaz qui serait beaucoup plus grave qu'une fuite de gaz enflammé. On a mis deux lances en protection pour éviter justement que le feu se propage. Et dès l'arrivée de GRDF, 10 minutes après leur arrivée, le gaz a été coupé, ce qui fait qu'on a stoppé complètement la fuite de gaz enflammé et fini d'éteindre les feux résiduels des autres voitures.